En conclave à Yaoundé, pour leur deuxième conférence semestrielle, certains gouverneurs rassurent les populations sur leur sécurité dans les différentes régions. C'est le cas des gouverneurs de la région du Sud et du littoral. La région du Sud se porte globalement bien sur le plan de la sécurité. Nous avons eu quelques frayeurs au niveau du département L'Océan, mais la situation a été vite maîtrisée et globalement, la situation concernant la région du Sud est sous contrôle. Alors, en ce qui concerne les élections régionales, nous connaissons déjà la cartographie des bureaux de vote. Nous connaissons le nombre d'électeurs. Oui, la région du littoral, d'abord, je tiens à dire qu'elle se porte globalement bien. Donc, le travail se fait très bien avec les forces de l'ordre. Nous pouvons regretter un cas comme celui de M. Elimbi Lobé. Suite à une série d'explosions dans la capitale politique, le gouverneur de la région du centre a pris une batterie de mesures pour réduire le risque d'insécurité dans la ville de Yaoundé pendant les périodes de fêtes de fin d'année et des élections régionales, ce 6 décembre 2020. Nous avons pris des dispositions. Nous allons continuer à veiller dans ce sens à ce que les gens n'entrent pas dans les grandes surfaces avec les sacs. Tous les sacs doivent être suspects. Et je prends l'occasion ici pour informer la population que les sacs que les enfants portent, le sac à dos là, c'est plus interdit dans les grandes surfaces. Globalement, la situation sécuritaire est sous contrôle dans les 10 régions du pays.